route évangélique de Côte d'Ivoire. L'année 2015 a été ponctuée par notre grand rassemblement du Jamboree qui s'est tenu à Divo. Avant de formuler des vœux pour 2016 à notre association, je voudrais remercier tous les commissaires de division, tous les commissaires de région, tous les groupes, toutes les unités, les éclaireuses qui ont œuvré à la réussite de ce Jamboree. Et surtout le comité d'organisation conduit par le commissaire Zongrana. Nous venons par la grâce de Dieu d'entrer dans l'année 2016. Je voudrais donc formuler les vœux de réussite de façon individuelle dans la vie des uns et des autres, de réussite dans les projets, de réussite dans l'organisation des différents groupes, des tensions, des divisions sur toute l'étendue du territoire. Cette année, nous avons choisi pour thème la discipline scout au service de la communauté. Nous sommes une association évangélique et nous œuvrons au sein des églises évangéliques. Avant que nous soyons scouts, nous sommes avant tout chrétiens. Notre responsabilité est donc grande. Pour le respect du code de déontologie chrétien et le respect du scoutisme qui est pointillé par la discipline, nous devrons encore davantage relever ce défi. Durant toutes cette année, avec nos éléments, louveteaux, éclaireurs, routiers, éclaireuses, j'invite tous les chefs à travailler dans le sens à amener nos éléments à être différents. Amener nos éléments à marquer la discipline dans tout son sens, dans le service que nous œuvrons pour nos différentes églises, pour nos communes, pour nos villes et pour notre nation. Je vous remercie. Mes meilleurs voeux à tous et à toutes. Bonne et heureuse année 2016.